me voilà à présent seul avec moi-même. Il me faudra encore pas mal de temps avant de m'en remettre. Pour comprendre mon histoire, il faut revenir en arrière, il y a 5 ans. Allez-y! Pourris-tu, mon propre fils. Sois pas comme ça, papa. Je n'ai jamais compris pourquoi tu l'as choisi, lui. C'est vrai? Je t'ai montré de la volonté, de l'ambition. J'ai jamais compris ton choix. Mais c'est ton frère. Mon demi-frère. Mon demi-frère. J'aurais voulu que tu l'acceptes. On choisit pas sa famille. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas digne d'assumer ton destin. Tu dois accepter les règles. Les règles? À présent, c'est moi qui les établis! Beau travail. Fin du contrat. Attrape-le! Attention sur le canapé, je reviens. Thank you.
Sammy aurait 18 ans aujourd'hui. Depuis le décès de sa mère, Sammy était devenu comme mon frère, alors que je n'étais qu'un ami de sa sœur. Ce soir-là, il avait assisté à un règlement de compte, et je n'avais pas réussi à le protéger. Quant à moi, j'avais été laissé pour mort. J'ai quitté ma ville pour m'exiler dans l'armée. 5 ans après, j'avais décidé de rentrer. Bon, ça va. Lui, c'est Ménès. Lieutenant Richard Ménès. C'est lui qui s'était occupé de l'enquête. Elle lui avait été retirée alors qu'il allait tomber sur un gros morceau. Son chef l'avait confié à un autre, qui avait réussi à trouver un moyen pour classer l'affaire en 2 semaines. Ça se passe bien la vie de militaire, pas trop dur. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai lu le rapport de ce flic, je veux juste comprendre. Tu pourras rien prouver, rien. Tu comprends rien. On est des hommes de devoir, Richard. Ce que tu le fais par éthique ou par justice. Et c'est en cela que t'es un homme d'honneur. Quant à moi, ce que je vais faire, je le fais pour la mémoire du petit. Tu sais que je te laisserai pas faire. Je sais, Richard. Fais ce que t'as à faire et je ferai ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que t'as, Ben? T'es fatigué? Ça? Dis-moi où est-ce que t'as. Dis-moi quoi tu penses. Allez, tu vas te reposer, tu vas dormir là, tu verras. Ça va aller mieux. Merci, Richard. Les mêmes visions. Si je suis vivant, c'est pour accomplir quelque chose. Mais je n'avais aucune piste. Je connaissais l'enquête de Ménès par cœur. Il parlait dans les dernières pages d'un certain Dario et de l'impossible avec un règlement de compte qui s'était passé près de chez moi. Si ce Dario était aussi véreux que sa réputation le prétendait, cela serait facile. Comme on me l'a appris à l'armée, si je veux trouver le trou du cul, faut commencer par ruer la merde. J'étais allé dans tous les coins chauds de la ville, me faisant passer tantôt pour le meilleur ami de Dario, tantôt pour son pire ennemi. Si moi je ne savais pas où il était, lui finira bien par venir. Messieurs, prends. Ça y est, je te reconnais. Ce fumier, c'est un flic. Qu'est-ce qu'il fait là, Dario? Du calme, on peut lui faire confiance. Laisse confiance? Mon cul, c'est un condamné. T'es sourd? T'es ici chez moi. Alors tu baisses ton arme et tu poses ton cul sur ton fauteuil. Oh, tu fais bien de dire à ce trou du cul de passer sans peine. Je suis en simple visite de courtoisie. Le dossier du petit Sammy a été réouvert. Mais je croyais que tout avait été arrangé. Je te paye pas assez cher pour ça? Je suis venu pour te prévenir. Ce matin, un type, un militaire, est venu chez nous. Ouais, le type a été blessé. L'enquête sur toi. Wow, c'est d'honneur. Ouais, la foutre. Tu sais, c'est pas très bon pour tes affaires, ça, Dario. Il va faire quoi, de me tuer? Tu devrais te méfier de lui.
crois que c'est toi qui me sous-estime, mon petit lieutenant. Il veut la guerre, on va lui donner ce qu'il veut. Voilà Nakonte. Peu importe le prix que ça va me coûter. Traque-le, tue sa famille, ses amis, son chien. Retourne-moi cette putain de vie s'il le faut. Mais trouve-moi ce fils de pute! Et ramène-le vivant. Il se croit plus malin que moi? Personne ne m'échappe sur mon territoire. La seule chose que je ne savais pas était qu'il avait la main mise sur quasiment toute la ville, même sur la police. Ok les gars, mon signal, on se tient prêt. Attends une seconde. Je te demande de pas lancer l'assaut, tu comprends? Ce type-là n'a rien à voir dans l'affaire, rien! Et 4. Réfléchis bien. 3. Tais-toi-moi, réfléchis bien. 2. Je te le demande. 1. C'est parti. Merde! Ça va, jeune? Bon, ça va. Tu peux te lever? Viens avec moi, Lève-toi. Bouge les bras, bouge, rassure-moi, bouge. Fais pas attention à lui. Depuis la mort de mon frère, il n'a jamais compris la complicité qu'il y avait entre toi et mon frère. Il était un peu jaloux de ça. Tu sais, quand ma mère est morte, ça a été très difficile pour lui. Il a travaillé dur pour qu'on manque de rien. Alors après le décès de mon frère, il ne croit plus en rien. Il prie même plus. Allez, Goli. علاش مشي؟ ها؟ علاش؟ خلينا نهضر معايا، شوف معايا، شوف، تفهم العربية؟ تي ميم تعرفوا لي انتي غومان، انت بونت؟ بابا احبس، احبس كوا احبس؟ جست بلا هيا اخرج، اخرج، فازي تي لابيتيود دو فيغ، سوغ دو ما ميزون، هيا اخرج من داري يا ديكاج، خرج تي موا. بوكوا تي كوا كشي روفينيو؟ ها؟ بوكوا؟ Attends, Ben, s'il te plaît, attends. Pardonne-lui, il souffre énormément. Tiens, je voulais te le remettre pour ton anniversaire. Merci.
J'y étais presque. Dario avait compris que je pouvais défier sa toute puissance. Il ne me restait qu'un dernier endroit où aller pour le trouver. J'avais prévenu Ménès. Il a essayé de me dissuader, sachant que je risquais gros. Il le savait car il avait réouvert l'enquête officieusement. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait rien contre mon acharnement. C'est pour ça qu'il avait lancé une alerte à l'autre bout de la ville. Cela me permettait de revenir chez moi, pour récupérer quelques affaires. Là où j'allais ce soir, il est déconseillé d'y venir les mains vides. Et c'était bien là-bas que je comptais donner le dernier grand coup de marteau sur le clou qui scellera le cercueil de Dario. D'accord.
Oh, tu te crois où? Je te connais, toi. Dites à Dario que je suis là. Me sidère. C'est vrai, je le reconnais. Je t'ai sous-estimé. Tu bougis mon business? Tu tues mes employés? Tu fous le bordel dans toute la ville. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu es tout seul à faire une guerre que tu ne gagneras pas. Je suis pas seul, Dario. Vas-y, démarre. Police.
Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, je t'ai dit. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avoir tué le petit? C'est du passé, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça? C'était qu'un gosse. Femme, enfant, peu importe. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Samy repose enfin en paix. Cela va faire une semaine que je suis là, dans cette cellule. On a tous un prix à payer pour nos actes. Dario et ses hommes ont réglé leurs dettes. Moi, je vais payer les miennes à la justice. Celle qui essaie de faire régner l'ordre dans cette jungle urbaine.